Le problème, ça sera surtout de d'avoir l'argent pour acheter tout simplement pour acheter la compétence. Donc, est-ce que j'ai des amis Battle.net connectés? Oui, j'en ai pas mal. Hein. Bonjour à vous tous hein, qui êtes connectés en ce moment même. Si vous vous reconnaissez, ben, je vous passe un petit bonjour. Oh, t'es beau toi. J'adore le skin de ce set là. Même si je préfère l'original. Le T2 Paladin est juste magnifique. Il envoie du lourd. C'est pour moi le plus beau set PvE qu'il existe pour l'instant. Ils n'ont pas fait mieux que le T2 de toute façon. Et dans l'ensemble, les 7 T2 sont les plus beaux. Eh ben dis donc, ils m'ont fait trotter. Ils m'ont fait trotter dans cet épisode. J'aurais vraiment quasiment fait le tour du monde presque. Non, hop. Hop. Qu'est-ce qu'il veut lui? Ok, pas de souci. Pas de souci, mon pote. Je vais juste regarder ma carte. Ok. Eh ben dis donc, j'ai l'impression d'être la poste. Ouais, voilà. Y a pas un. Justement, il n'y a pas un titre le postier. À tout hasard. Il n'y a pas de postier. C'est dommage. Sinon je l'aurais mis Iron. Oh, on va choisir un bon truc. Iron prêtre, le pèlerin, le joyeux, le diplomate, l'explorateur, l'exalté, l'assidu. Comment on pourrait l'appeler? Comment on pourrait l'appeler? Ben l'ancien, parce que je suis un ancien de haut. L'ancien Iron prêtre, voilà. Non, en fait ça fait moche ancien, ça fait non, ça fait pas crédible du tout. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai cru que c'était marqué boucher. Ça aurait été une tuerie. Il n'y a aucun titre qui m'intéresse finalement. Aucun titre. Pas de titre, voilà. Ouais, comme ça, on est fixé. Hop, validation de la quête. Offrez-vous. Ok. Ben, écoute. C'est parti, les amis. Nous allons les trouver. Je sais qu'on peut y arriver. Mais où allons-nous? On comptait d'or. C'est parti. On est des fous. Je suis un fou. Vous êtes des fous. De toute façon, si vous regardez cet Iron Man, vous êtes des fous, vous aussi. Moi, je vous le dis. Ça va être épique, moi je le sens, dire que je flippe sur certaines quêtes, donc c'est pour pas imaginer la suite qui va arriver, hein. Ça va être tellement difficile, tellement dur. J'ai vraiment du mal à imaginer comment je vais m'en sortir, vraiment du mal. Déjà si j'atteins le niveau 60 sans mourir, je fais péter le champagne. Enfin ça sera le champomy hein, pour commencer, on va commencer gentiment, gentillet. On va faire le champomy au niveau 60 et après on commencera d'un peu plus grosse cuvée une fois qu'on aura passé le niveau 60 tranquillement. Parler à Maybelle, Mémoche. Voilà. Je vais quand même vérifier un petit coup. Ok, c'est cool. Et ben go, on va aller parler à cette charmante demoiselle, si c'en est une. En tout cas, le nom, Maybelle, pour moi, c'est une femme. Pour moi, c'est un prénom de femme. Si ce sera un gars qui s'appelle comme ça, il y aura un souci. Et ben déjà, niveau 7, hein, les amis. Niveau 7, on va faire un petit slash playhead. En 43 minutes et 1 seconde de jeu. Donc, ben, ça va, c'est plutôt pas mal. Oh là, il est dark lui. Oh, il est moche. Oh, il est moche le. Oh là là. Ouh, il y a un ours niveau 9. Oh, j'ose même pas l'approcher. J'ose même pas l'approcher, l'ours là. C'est même pas la peine, même pas en rêve. Je vais rester très très loin de lui. Je vais le marquer même. Je vais le marquer, je suis un fou. Je vais le marquer. Regardez, hop, on va marquer. Hop, comme ça au moins on sait qu'il y aura un danger probable là-bas. Allez, on va terminer cette quête. Ouh là là, encore un ours. J'ai vraiment pas de bol. J'ai vraiment pas de bol. Il y a des ours partout. Oh, un vigneron. Oh, je vais aggro. Ah, je vais me le faire. Je vais me le faire. Je prends le risque, les amis. C'est un niveau 9. Je suis niveau 7.
je prends le risque d'affronter un mob beaucoup plus fort que moi. Quitte à me faire tuer. Mais non, c'est moi qui ai eu sa peau. Un vigneron, qu'est-ce qu'il a à vendre? Ouh, une cruche d'hydromel, trop cher pour moi. C'est dommage. Sinon, j'aurais bien bu un peu d'hydromel, hein, je vous le dis franchement. Ah, je veux pas commencer à utiliser de l'argent pour acheter de la bière, c'est pas cool. Et ben voilà, on a rencontré notre charmante demoiselle, elle est blonde, elle est mignonne, dis donc. Bonjour. Ça va? Tu me fais un bisou? Tu réponds pas? Tu es timide? Oh le vent! Oh le vent! Ce qu'on appelle un râteau. On va aller voir son copain, donner une lettre d'amour. C'est un copain alors? Elle a un copain? Oh la cochonne! En tout cas, elle est bien mignonne. Oh, il y a encore un ours. Oh, il y a encore un ours, il y a un mouton. Bé! Un autre mouton, il y en a partout. Oh non, c'est pas un mouton, c'est un sanglier. Et ben, on va se faire l'ours, tout simplement. Hein, parce qu'on n'est pas là pour beurrer les sandwichs. Le vilain, on va se le faire. On va se le faire, le vilain. Au pire des cas, je peux me soigner. Hein. Je mets quand même mon bouclier parce que j'ai eu peur, il s'est désactivé. En plein combat. C'est dommage qu'on ne peut pas apprendre la cuisine également comme métier. Comme ça aurait été pas mal, on aurait pu faire nos propres plats. Mais bon, c'est vrai que dans la cuisine, généralement, on a le bœuf bien nourri. Ce qui n'est pas ce qui est interdit lors d'un Iron Man, je cherche toujours le mot. C'est un petit peu tard, il y a un petit peu minuit 12 là à l'heure actuelle. Un petit peu de mal. Un petit peu fatigué. Oh, il y a de la quête. Oh, il y a de la quête. Oh, il y a de la quête là-bas. C'est bon, ça. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime beaucoup. Je suis friand de quête. Je suis friand de tout ça. Oh non, tu es princesse. Oh là là. Ouf. Bah, celle-là, c'est même pas la peine. Je crois que je vais l'oublier. Parce que je crois qu'elle aggro, en fait. Je crois que. Je vais trahir. Je vais trahir. Je suis un fou. J'ai bien peur que si. Que si je l'aggro, elle, la grosse là au centre, là, la moche là, l'espèce de facochère qui pue du boule, il ressemble à Pumba, hein, dans une autre couleur, mais c'est Pumba tout craché. J'ai peur que si je l'aggro, les autres petits viennent. Ça serait triste, vous allez me dire, ça serait vraiment triste. Je vais essayer de me la faire correctement. Oui, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, je suis content, j'ai tué princesse. J'avais peur que ça échoue. Et si chaque combat est épique comme ça promet. Ça promet, ça promet. Hop, niveau. Ah, 5 quêtes déjà? Eh ben donc, on a déjà fait 50 quêtes, les amis. Eh ben donc, je les ai même pas vu passer, les 50 quêtes, dites-vous. Je suis super content. Eh ben, on va aller terminer la quête où il faut donner. Tout simplement la petite lettre d'amour. Ensuite, on va voir ce qu'il nous dit. Si c'est pas trop long, ben on fera. Sinon, après, on va pas tarder à se quitter. Hein. Cette session aura pas mal duré. Lettre d'amour. Ah, je l'ai même pas lu, c'est triste. Ah, j'aurais bien voulu la lire. Hop, je pouvais mettre pause. Hein. Moi, je la lis dans ma tête et vous pouvez mettre pause. Voilà. C'est nul, c'est même pas une lettre d'amour. Hop, c'est parti mon kiki. On va aller valider la quête. Et puis on va se quitter là-dessus. On va se quitter là-dessus tout simplement. Parce que ben ça c'est temps. C'est temps de se quitter, les amis. On aura fait pas mal de quêtes. On aura fait pas mal de quêtes ensemble. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est partitionné en plusieurs vidéos de 15 minutes. Ce qui permet à tout le monde de la regarder tranquillement. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Je vais pouvoir m'asseoir si je peux. Voilà, je m'assois, je m'incruste chez toi. Et ben moi, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit, un très bon appétit, enfin, tout ce que vous voulez. Et je vous donne rendez-vous pour d'autres sessions en mode Iron Man avec Iron Prêtre. Salut tout le monde.